je suis Edouard et mon Urban Craft, c'est la fabrication de cidre artisanal et naturel qui s'appelle Vignac. On fait ça avec mon frère et on a voulu développer ce cidre parce que Vignac, c'est le nom d'une de nos grand-mères qui a habité ici, dans les Ardennes. C'est que la première année où on le fait, donc au fur et à mesure des années, on s'améliorera. Mon frère Thierry, lui, a l'expérience, il a un PhD en chimie, donc tout ce qui est mélange et autres, il le connaît bien. Moi, ma force, c'est plus le côté commercial. J'ai travaillé pour quelques années pour le vin, la vente de vin, et donc je connais plus le domaine du marketing et de la vente. Donc on fait une bonne équipe, tous les deux, et comme on est frères et on est tous les deux, on a tous les deux grandi ici, dans les Ardennes, au milieu de la forêt, des vergers. On a nos cœurs, notre cœur ici. On revient très souvent ici parce qu'il y a le calme. Et on a envie de transférer ce calme et cette qualité de produit dans la frénésie de la ville. On fait tout, les livraisons, la rencontre des clients. Et c'est ce que je préfère, c'est d'aller présenter notre cidre dans des nouveaux restaurants, dans des nouveaux bars, dans des nouvelles épiceries. Là, à cette période-ci, au début août, on va dans les vergers et on voit la pomme est petite, elle est prête, elle est là, elle est prête à se développer. Une fois que le soleil va arriver, elle va prendre du volume, elle va prendre de la richesse. Et ça, mais voilà, ça on le contrôle pas, on est là pour observer. Et c'est ça qui est beau, c'est que c'est la nature qui a la part du travail, c'est elle qui va nous donner la récolte qu'on veut. En plus, on est en transition bio, donc on n'utilise pas des pesticides, on va faire tout le travail à la main. Et l'idée serait de développer la gamme, peut-être ainsi de revenir sur un cidre plus traditionnel, les cidres avec une couleur plus dense, un peu comme des bières spéciales, transcrire ce que les générations d'avant nous ont donné, c'est-à-dire la terre où on va replanter des vergers, et pouvoir l'inscrire dans le futur, en proposant un produit un peu plus jeune, un peu plus trendy, un peu plus à la mode pour être dans les bars, tout ce qui est garden party, les brunchs.